Eh ben salut à tous les amis, c'est Lumberjack, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série qui s'intitule Peter Farm No Cheat. Hein. Vous pouvez voir en haut à droite que c'est No Cheaté. Hein. Alors venez pas me faire chier en commentaire, ouais mais t'as cheaté machin. Non, tu vois, j'ai pas cheaté, tu vois. Tu peux constater en droite que j'ai pas cheaté. Hein, pas du tout, hein. Donc tu vois le matos que j'ai, c'est vraiment pas non plus du gros matos. Hein. C'est là, j'ai une charrue 5 corps. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un live d'ailleurs où j'étais. Pardon. Excusez-moi, moi les amis, j'ai un petit peu de crève. Je suis vraiment navré. Alors, je tourne cette vidéo, il est un petit peu tard quand même. Hein, voilà. C'est pas du tout le bon, il est pas du tout le bonheur, on va dire. Oh, pardon. Désolé si je tousse. Mais bon, tout va bien. J'ai la forme en tout cas, ça va. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas beaucoup de live parce que bon, je manque un peu de temps. Hein. Je vous avouerai que. Je manque un peu de temps et d'envie surtout parce que bon voilà j'ai beaucoup d'occupations dans la vie hein. Je suis pas non plus quelqu'un glandé derrière un ordi hein. Pas comme certains hein. Voilà. Attendez les amis, je bois un petit coup de coca. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici. De vous retrouver. Je suis vraiment désolé, excusez-moi les amis, hein, voilà. Donc tu peux constater que dans la ferme, bah, j'ai pas beaucoup de matos. Hein, Mais je mettrai pardon, le lien du live en description pour justement constater enfin, quel matos j'avais sur enfin, quel matos j'ai sur Peterville Farm quoi. Donc le lien est en description juste en bas de la vidéo les amis. Voilà. Donc aujourd'hui pour le second épisode de cette série No Cheat sur Peterville Farm, nous allons faire du semis, tiens. On semer du. Bah, ce qui rapporte le plus, tiens. On va prendre le Massey 7726, hein, donc beau petit bébé. Hein, donc celui-là c'est d'origine, hein, c'est pas non plus le. Pardon. C'est pas non plus le tracteur qu'on a sur. Enfin le mode pardon qu'on a sur PS4. Celui-là c'est d'origine du jeu. Alors, tu peux constater que j'ai pas vraiment de mode, hein, j'ai vraiment ça comme véhicule, tu vois. Je l'ai fait défiler à l'écran même. Voilà, j'ai que ça en véhicule, hein, donc je te mettrai le lien du live en description. Si jamais, voilà. Donc on va attaquer les semis, les amis. On va semer bah, ce qui peut rapporter le plus, tiens, sur la map. Je sais pas ce qui peut rapporter le plus. À ton avis, qu'est-ce que je pourrais semer, tiens? Alors peut-être pas de l'avoine. Si quoi que, je peux peut-être semer de l'avoine, tiens. C'est vrai que ça rapporte l'avoine quand même. Ouais, bah je vais mettre de l'avoine, tiens. Alors attends, merde. Hop, avoine, t'es où toi? Voilà, hop. On va partir tranquillement semer les amis. Hein. Hop, ça passe là, tu crois là? Faut pas que je frotte le bâtiment. Non, ça passe. Putain, la chance. Hop, allez, on y va. Les gyros, hein, mode RP. Obligé. Parce que moi, je me fais souvent gueuler dans les lives. Tu mets pas de rétro machin. Je vais là, je vais le mettre. Hein, suffit de mettre relax. Hein. Voilà, hop. On va partir d'abord sur le chemin de la 126. Ah, pardon. Le champ numéro 26, désolé si je bégaye. Mais bon. Ah, putain, j'ai encore laissé mon clignotant comme un con. Voilà, petite vue extérieure. Oups, je roule un petit peu. Attends, maintenant l'entrée du champ elle est où? Parce que ça fait longtemps que j'ai plus joué sur Peterville. Bon, tu sais quoi? On va pas s'embêter, hein. Je sais, c'est pas non plus RP. Mais bon, passons. Hop. Voilà. On va tranquillement semer, les amis. Peut-être qu'on va semer ce champ-là en un épisode, je sais pas encore, parce que bon. J'ai pas envie non plus de faire une vidéo de plus de 40 minutes quand même. Hein. Alors, je t'avouerai que ça ferait un peu long. Et puis je pense que prendre l'engrais, ben, je ferai peut-être hors vidéo ou peut-être dans une autre vidéo, je sais pas du tout. Ça reste à voir quoi. Voilà. Oups là, je suis un petit peu en train de semer n'importe comment. Je suis en train de faire n'importe quoi. Alors si on est bien droit, bien aligné, c'est bon, on n'est pas trop mal. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cette série d'ailleurs, si elle est vraiment bien pour vous, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des.
Si vous avez des conseils, quoi. Je suis toujours preneur, quoi. Je suis toujours preneur de conseils, de critiques, on va dire, positives, on va dire, quoi, tu vois. Je préfère ces critiques-là que les critiques que j'ai subies dans le passé, quoi. Que la critique malheureusement destructrice. Tu vois, les critiques où... Merde, putain, j'ai pas vu que le bichon était à condition, quoi. Tu vois, que les critiques qui vont dire qui sont destructrices pour la personne, quoi, tu vois. Tu genre, t'es nul, machin, etc. Ta chaîne, c'est de la merde, machin, tu vois. Ça, c'est... Pas encore, d'ailleurs, un youtubeur, t'es un humain, tu vois. T'as quelqu'un qui a des sentiments, des émotions, du ressenti, de l'empathie, enfin... Pas tous, on va dire, mais bon, hop, passons. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ce Team Bassett 7526 d'ailleurs. J'aime bien, c'est un bon tracteur, c'est plutôt massé, c'est relativement fiable comme marque. Bon, certains diront que bon, ils prennent feu, mais bon. Honnêtement, j'ai jamais vu une Bassett qui prenne feu de ma vie. Hein. Moi, pour l'instant, pour moi, c'est relativement costaud. Hein. Voilà. Ah oui, il y a quelques petits trucs, les amis, que j'aimerais vous demander. Si jamais bah, regardez cet épisode ou pire je ferai une vidéo un peu spéciale. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse un peu plus de multi sur le 19 tiens pour commencer. Et que je fasse peut-être pas une team mais on va dire un bon groupe de joueurs quoi. Le problème c'est que bon on m'a tellement trahi dans le passé tu vois que maintenant bah j'ai c'est pas que j'ai plus confiance en personne. C'est que bon je me méfie un peu de tout le monde tu vois. Je suis un peu devenu parano quoi. Parce qu'on m'a tellement taillé dans le dos dans le passé que maintenant bah je suis un peu réticent encore tu vois. Je suis vraiment réticent à l'été. Bon, c'est pas que je veux pas créer une team un jour, mais bon, faut vraiment que je trouve des personnes de confiance quoi. En qui j'ai réellement confiance. Bon bien sûr, je citerai pas les noms, mais bon j'ai. Les personnes en qui j'ai confiance, hein, bien entendu. Hein, voilà. Qui m'ont jamais fait de coups dans le dos, qui m'ont jamais dénigré ou quoi sur YouTube, tu vois. Ça, c'est des gens que je respecterai à vie, tu vois. Voilà quoi, j'avais quelques petites choses à dire dans ce premier épisode d'ailleurs. Je sais pas si j'en ferai peut-être beaucoup, mais parce que bon, j'ai vu quelques maps qui me plairaient, quelques nouvelles maps d'ailleurs qui me plairaient sur PS4, quoi, tu vois. Du genre, ben, j'ai vu, il y a merde, il y a la map irlandaise qui est sortie, il y a la map, comment que ça s'appelle, Lonok Farm que j'avais sur le 17, que je joue un petit peu sur le 17, tu vois, hors live. Et hors vidéo. Donc ouais voilà, il y a quand même déjà des bonnes maps, tu vois. Y a franchement des bonnes maps, quoi. De ce côté-là. Peut-être que Peterfield, tu vois, je le ferai peut-être plus en vidéo, tu vois. Qu'en live. Parce que c'est vrai qu'en live, elle est bien. Mais en vidéo, je trouve qu'elle est plus appropriée, quoi, tu vois. Les champs sont idéalement petits, puis bon. J'ai pas encore vu les autres maps, hein, mais je vous tiendrai au courant. Si bah, d'ailleurs, je vais les présenter les maps, d'ailleurs. C'est obligé. Voir ce que ça a changé depuis le 17, parce que c'est vrai qu'à mon avis, la map irlandaise. Il me semble qu'on l'a vu sur le 17. Je suis pas sûr, mais je suis pas réellement. Je pense que c'est un peu notre map, tu vois. Je pense que c'est le même modeur, à mon avis. Mais je pense qu'il est un petit peu différent, tu vois. Que du 17. Et puis le NOC, pardon, je vais la présenter sur. Bah, je vais la présenter quoi. On va voir ce que ça a changé depuis le 17. Et bien sûr, ça a beaucoup changé, on va dire quoi. Le graphisme a changé, les textures ont changé, voilà. Ça a énormément changé quoi. Hop. Puis ça fait un bel ensemble, je trouve, ce semoir et ce massé, je trouve. Ça fait un petit peu comme la vidéo d'Elodie, tu vois. Elle va peut-être se reconnaître. Avec son massé, et puis sa démo de matos, tu vois, que j'ai bien aimé. D'ailleurs, je vous mettrai. Dites-moi d'ailleurs si je vous mettrai. Voilà, quoi. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez le lien en description. Je le mettrai, puis au pire, je mettrai un commentaire épinglé, hein, si jamais. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai fait une petite. C'est la chaîne Julie Elodie Agrippation. Je vous mettrai le lien si vous voulez en commentaire épinglé. Voilà. Donc j'ai une gentille petite pub. J'en fais pas souvent des pubs parce que bon, hein, on connaît les gamins, ils veulent vite monter un abonné, tu vois. Puis bon,
On m'a tellement fait de coups de pute sur YouTube que maintenant bah, je me méfie, tu vois. Faut vraiment prendre les gens qui j'ai réellement confiance, tu vois. Je vais peut-être répéter, certes, mais bon. Voilà quoi. D'ailleurs, il y a un autre petit truc, les amis, que j'aimerais vous demander dans ce premier opus de cette série. Est-ce que par hasard, vous voulez un petit peu que je modifie mon pseudo YouTube? Parce que c'est vrai que Lumberjack 678, c'est un peu long à prononcer, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Lumberjack, tu vois. Donc bon, je me suis dit, bon, j'aimerais un petit peu votre avis, tu vois. J'aimerais un peu votre avis, hein. Pardon. Mais bon, ça serait bien que je fasse un petit sondage, quoi. Tu vois, des personnes préférant mon ancien pseudo à mon nouveau pseudo, quoi. Bien sûr, la description, je vais la changer. Je vais mettre mes liens de mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et puis bon, Facebook, non, parce que Facebook, je vais clairement supprimer la page parce que bon, elle me sert plus à rien. Puis bon, vu que j'ai Instagram, je partage beaucoup plus de trucs sur Instagram que sur Facebook maintenant, tu vois. Puis bon, Twitter, pour ceux qui ont Twitter et puis qui veulent me le follow, quoi, tu vois. Parce que c'est vrai que Twitter, honnêtement, je suis pas très souvent actif, mais quand je suis actif, ben, je suis présent, quoi. Tu vois? C'est un réseau, franchement, bon, je dis pas non plus que c'est le pire réseau du monde, tu vois. Là, je vais peut-être encore faire un tour de champ. Histoire d'avoir un peu de place pour bien tourner à côté de moi. Bon, je sais, c'est peut-être pas RP de faire 3 tours de champ. Même si dans certains pays du globe, ils font au moins 4 tours de champ pour sommer, tu vois. Je dis peut-être des bêtises, j'en suis conscient. Parce que voilà, je suis pas du métier non plus. Moi, hein. Bon, au quotidien, je bosse en logistique. Donc, je suis pas forcément du métier de l'agricole. Mais j'étais bûcheron dans le passé, donc je connais un petit peu les rudiments du métier, quoi. Enfin, peut-être pas de l'agriculture, mais de la forêt, quoi. Je connais la forêt, quoi. Ah, par contre, j'ai un tout petit peu raté ici. J'ai un poil raté. J'ai un peu reculé. Désolé. Et oui, ça arrive de rater un petit peu en vidéo, hein, ça arrive. Hein. On n'est pas non plus parfait, hein, dans la vie. Hein. Voilà. Donc c'était quelques petites informations par rapport à la chaîne, par rapport au contenu. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai prochainement un projet de faire de l'IRL aussi, tu vois. De faire. Parce que c'est vrai que je connais un paysan en IRL. J'ai l'intention de reprendre contact avec lui. Et peut-être que je tournerai peut-être des vidéos d'ailleurs, tiens. Des vidéos IRL. Ça changeait de concept et puis ça varie un petit peu le contenu, tu vois. Parce que c'est vrai que du farming et plusieurs jeux, bah, à force, c'est un peu long, tu vois. On a un peu marre, quoi. Même moi, tu vois, je commence un petit peu à m'enlacer de. Peut-être pas de farming, mais à force de faire ce que des jeux sur ma chaîne, tu vois. C'est bien de le faire, mais bon, après, faut un peu varier le contenu, tu vois. Faut un petit peu varier le contenu, faut varier les vidéos, faut varier beaucoup de trucs, tu vois. C'est quoi, je vais peut-être couper en deux, en fait. Je vais peut-être entamer le champ en deux. Ouais. Je vais faire comme ça, tiens. J'ai fait la partie courbée ensuite. D'abord, faire la partie un peu courbée, tu vois. C'est qui fait un espèce de S. Et je pense faire la grande partie. Ouais. Ouais. Je vais faire comme ça, tu vois. Bon, je suis plutôt me mettre bien droit. Plutôt essayer de me mettre droit, tu vois. Attends. Je vais essayer de m'émerder de faire comme ça. Ça bouge pas. Hop. Allez, let's go. On y va. C'est parti. Voilà. Je sais que je passe dans des zones déjà semées, je sais. Ouais, je sais bien. Je pense que l'autre change, peut-être le semer dans une autre vidéo, peut-être que. Je vais laisser la meilleure vidéo, je sais pas encore. Je sais pas encore d'idée, mais voilà quoi. Hop, je vais lever. Faire ça de façon RP quand même. Hein. Même si là je suis peut-être pas allé en mode RP. Mode ACV, je suis peut-être allé en mode à l'arrache. Je sais, mais bon. Voilà.
Je vais prendre le contrôle quand même. Voilà. Juste ce mets là où j'ai oublié. Et je pense que là on sera bon. Voilà. Alors attends, là je vais plutôt couper en deux, tu vois. Je vais faire d'abord la partie. Je vais couper ça en deux, tu vois. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Hop. Je vais baisser le semoir. Je vais attaquer de cette manière en fait, tu vois. Je vais faire une ligne au centre, une ligne au centre. Après, après, je vais faire les tours, quoi. Je vais faire d'un côté puis de l'autre. Je pense que ça sera pas mal. On sera déjà pas mal quand même déjà. Non, on sera bien. Je serai très content. Voilà, voilà. Attendez, hop. Bon, ça sert à rien, ça. Son téléphone, c'est pas grand chose. Voilà, et ils tombent vraiment bien ce mort quand même. Hein. Il est vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'en. Moi j'ai déjà bouffé trois, un quart du semoir, tu vois. J'ai déjà consommé un quart de semoir. Je pense que quand j'aurai fini, je pense qu'il sera vide mon semoir, quoi. Puis on aura bien avancé, quoi. Je serais plutôt content. De l'avancement des chantiers, enfin des chantiers de semis, pardon. Hop, je vais passer un peu au intérieur quand même, histoire de faire plus réaliste. Attends, j'arrive au bout de champ. Je vais lever et j'irai attaquer juste là à côté. Voilà. Hop. Allez, bien, si c'est mort. Let's go. Mettre le régulateur. On avance bien, je suis content quand même. On a peut-être un semoir de 6 mètres, mais franchement ça avance bien quoi, c'est un bon petit semoir franchement quoi. Je suis pas déçu du truc. Hop, attends, je vais lever. Hop, là, voilà. On va attaquer l'autre côté. Allez, let's go. On va attaquer. Je sais pas combien de minutes de chute vidéo déjà. Je pense que je suis à moins une bonne vingtaine de minutes. Je vais pas trop faire d'épisode trop long parce qu'après ça fera. Comment dire, après il y en a. Ça sera beaucoup trop long, tu vois. Donc forcément, un épisode de 40 minutes c'est déjà beaucoup trop long, on va dire pour moi. Bon, c'est vrai que bon pour uploader ça va. Mais bon, après pour regarder c'est un peu long, quoi. 40 minutes. Où tu vois juste un mec jouer, c'est pas non plus trop top.
pense une bonne trentaine de minutes, c'est déjà pas mal, quoi. Une bonne demi-heure, c'est déjà pas mal. En termes de format, je pense. Voilà. Hop. Hop, voilà. Oula, je suis pas très droit en fait là, hein. Je suis un petit peu à côté, hein. Tant pis. Je suis resté comme ça, histoire de faire une belle ligne. Que ce soit pas trop dégueulasse, parce que là je me suis un peu foiré quand même. Je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis un peu foiré. Ça va, c'est pas trop mal derrière. Excusez-moi, j'ai un peu la crève, hein, désolé, hein, vu le temps que tu fais. En plus, en ce moment, là où je tourne la vidéo, ben. Enfin, là où je tourne la vidéo, il commence à bien pleuvoir chez moi, donc forcément, l'automne est bien là. L'automne arrive à grands pas chez moi, donc voilà. En plus, bon, alors qu'il est, on est le 22 septembre, donc forcément, hein, tu te doutes bien que l'automne vient bientôt. Hein. Et bientôt là, l'automne est bientôt là. Hein. Au pire, tu sais quoi, j'ai qu'à faire demi-tour, je fais la petite partie comme ça en revenant. Je pense qu'on va pas s'embêter. On va s'embêter 15 ans. Hein. Je vais faire la petite partie là. Voilà, attends. Je vais lever le sommoir. Et on est reparti. Hop, let's go.
Bon, j'attaquais de l'autre côté quand même, puis je revenais directement juste là, tu vois. Puis après, je pense que ça va être pour la vidéo. Enfin, espérons que le temps. J'espère que ça soit pas trop long aussi, hein, le temps, hein, pour la vidéo. Voilà. Ouh, je suis déjà à la moitié quand même déjà, tu vois. Donc forcément, ça avance bien. Je suis content. Hop. Voilà. Attends, je vais quand même baisser le régulateur quand même. Je vais le mettre à 18. Voilà. Hop. Je pense que ce sera déjà pas mal. Parce qu'avant, j'ai même pas mis le régulateur, tu vois. Enfin, j'ai mis le régulateur, mais sans mettre le régulateur en fait. J'ai mis le limiteur de vitesse. Oh putain, je pars un peu en cacahuète. Voilà. Je suis un peu des petits oublis là. Hein. Mais bon, ça se voit pas tellement, ça va. Ça va, en fait. N'empêche, comme ça en hauteur, ça fait un petit peu en mode prise de drone, tu vois. Ça fait un peu en mode. Pas en mode avec des drones, hein, comment dire. Des prises de vue au drone, tu vois, ça fait pas mal, je trouve. On ça comme ça.
Ça c'est parfait, en plus j'aurais fini ce champ là en une vidéo quoi, c'est parfait. Franchement je m'attendais pas quoi, je pensais qu'il fallait que je fasse deux vidéos pour ce champ là, mais non en fait ça va. Je m'en sors quoi. Mais Mitsu, ah, ça y est mon chat il se réveille. Il anime un petit peu ma vidéo. Oui, t'inquiète pas. C'est bientôt la fin de la vidéo, va. Oui, c'est bientôt la fin. Mais oui. Je vais faire un bonjour aux abonnés. Je vais faire un bon bonjour aux abonnés, tiens. Viens voir. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Non, mon Mitsu. Ça y est, tu te réveilles. Hein. Tu dis bonjour à tous. Hein? T'as dit bonjour? T'as dit bonjour? Bah oui, t'as dit bonjour. C'est bien ça. Hein? Oui, on ira où il est, t'inquiète pas, va. Mais attends, Mitsu, toi tu me gênes un peu là. Merci. Oui, t'inquiète pas. Oui. On va rentrer directement à la ferme là. Attends, je vais laisser le voir quand même. Voilà. Hop. Ah, petite montgolfière. Hop. Attends, je vais voir si je monte sur la route là. Bon, puis tant pis, je ferme le portail plus tard. Je laisserai ouvert, tant pis pour l'instant. Oups, ça passe. Ouais, ça passe. On va nettoyer l'équipement quand même, hein. Nettoyer le tracteur et le semoir. Attends pas que je me trompe quand même. D'entrée. Voilà, fait un petit lavage quand même, hein. Histoire de.
Voilà. Ça, c'est moi, il est propre. Passe un bon coup de karcher sur le tracteur quand même, hein. Histoire de. Ah, j'ai oublié mon clignotant. Merde. Hop, on va ranger le masset. Ranger le saumoir. Bon, le saumoir, au pire, je vais empirer hors vidéo. C'est pas grave. Putain, en vrai, comme ça, t'aurais déjà éclaté le saumoir. En vrai, j'aurais déjà éclaté un peu le saumoir. Ça rentre là? Attends, est-ce que je le dis bien? Voilà. Bon, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Allez, c'était Lumberjack. La bise à tous. Ciao tout le monde.